matin ce matin, mais là, on va plonger. Ça va changer, hein? Ça va changer complètement. Tout le Québec va égoutter avec ce vigoureux front froid qui va balayer l'ensemble de la province d'ouest en est, qui, dès donc aujourd'hui, ce matin, va toucher l'Abitibi-Témiscamingue. Température à la baisse et de façon très considérable. On va perdre de 10 à 15 degrés en moins de 3 heures pour chaque ville, chaque région du Québec, toujours avec quelques heures de décalage. Donc oui, ce matin, ça touche l'Abitibi-Témiscamingue avec le passage d'un front froid pour les secteurs au nord du fleuve Saint-Laurent. On prévoit de la neige parfois forte, poudrerie, visibilité donc réduite, chaussée qui va être enneigée, voire glacée par moment, mais surtout un refroidissement éolien soudain, refroidissement, chute des températures. On voit moins 16 degrés Rouyn-Noranda. Cet après-midi, c'est moins 26 qu'on prévoit quand même. Donc, température inversée pour les secteurs à l'ouest de la province. Ailleurs, bon, on va balayer, oui, l'Outaouais, le Grand Montréal. Possibilité qu'on ait toujours un peu d'instabilité en journée, mais ce qu'on attend surtout, c'est en fin d'après-midi, de la pluie, des averses et par la suite, la nuit prochaine, pour le sud de la province et le centre aussi, 10 à 15 degrés en moins. Pareil pour Québec, possibilité, oui, d'avoir des petits flocons par moment aujourd'hui, même de la neige forte. Je vous le dis, c'est un beau mélange, cocktail, météo, mais surtout en fin de journée, de la pluie pour finalement avoir un gel soudain. Il y a seulement dans l'est de la province où le front froid va être un peu moins, disons, intense. Vous allez perdre des degrés, vous aussi, dans l'est du Québec. Demain matin, ça va être plus froid, mais somme toute, vous n'aurez pas de grandes précipitations et un gel aussi soudain que le reste de la province. Bref, on voit déjà ce qui nous attend à plus long terme demain. Bon, température plutôt froide, moins 7 degrés, ça semble pas si mal. On entame la journée quand même avec du moins 16 en matinée, donc chute considérable des degrés. Et on voit aussi une belle remontée finalement. Lundi, mardi, mercredi, vous voyez bel et bien un 10 degrés qu'on affiche à l'écran comme maximum au thermomètre. Donc, gel soudain ce week-end, samedi, dimanche, Québec aussi va faire froid, température saisissante, il y aura du refroidissement éolien assez mordant, le soleil sera la partie. Fin de semaine parfaite pour jouer dehors, cette fois très bien habillé, on s'entend. Et la douceur sera de retour en début de semaine prochaine. On touche à tous les extrêmes. D'ailleurs, si ce soir, vous avez des activités hivernales, surtout pour les secteurs nord-ouest de la province, dans les Laurentides, ski peut-être en soirée, dites-vous que les températures vont chuter de façon assez drastique en moins de 3 heures. Donc, il faut prévoir le coup dans la façon de s'habiller. Oui, faut toujours avoir un plan B par les temps qui courent. Hein? Ouais. On ne sait jamais si le mercure va dégringoler ou va remonter subitement. Ça dure au moins 2-3 jours, si on fait une moyenne jusqu'à présent. Merci, à tantôt. Merci, à tantôt.